J'ai jamais vu de ma vie autant de ce champignon qu'on appelle les oreilles de Judas. Regardez-moi cette oreille. C'est énorme. Magnifique. C'est un champignon très facile à identifier. Il est marron, il est gélatineux. Waouh. Et il pousse comme ça, avec des oreilles, on va dire, individuelles. Je vous dis ça parce qu'il y en a un qui lui ressemble, qui s'appelle la trémelle en feuilles, qui va avoir plusieurs sortes d'oreilles, un peu plus plissées. C'est gluant aussi et ça se mange pas. Ça, c'est les oreilles de Judas. Ça se mange même cru quand c'est tout jeune. Et sinon, vous pouvez les cuire. Mais attention, ça explose. Ça fait à l'intérieur comme une sorte de pression et ça pète. Donc, ça peut vous faire gicler de l'huile au visage. Donc, mettez bien à couvert quand vous les cuisez. C'est le fameux champignon noir qu'on mange dans les restaurants asiatiques. Alors, c'est un champignon dont il faut pas abuser. Faut pas en manger d'énormes quantités. Mais faites-vous plaisir quand même. C'est assez fréquent. On le trouve sur différents feuillus, mais principalement sur les sureaux noirs.